Paul Verlaine naît à Metz le 30 mars 1844 de l'union de Elisa et Nicolas Auguste Verlaine. Tant attendu de ses parents, il sera choyé durant toute son enfance. Lorsqu'il a 9 ans, il rentre à l'institution Landry où il sera interne. Puis, en 1865, il entre en classe de 6e au lycée Bonaparte. Il écrit La mort, un de ses premiers poèmes à 14 ans, qu'il envoie à Victor Hugo. En 1862, il obtient son baccalauréat avec mention passable. En 1866, il commence à fréquenter les milieux littéraires et contribue à une revue poétique. En même temps, il rédige les récits saturniens. Il entretient une relation très particulière avec sa mère, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, mais il est parfois violent avec elle. Après la mort de son père en 1865 et celle de sa cousine en 1867, il sombre dans une dépression et rédige un poème en hommage à sa cousine Elisa. En 1870, il se marie à Mathilde Mottet. Elle subit les violences de son mari, mais donnera naissance à son enfant nommé Georges en octobre 1871. Cette même année, Arthur Rimbaud, ayant alors moins de 17 ans, écrit à Paul Verlaine, désirant le rencontrer. Verlaine lui répond positivement, et lors de leur première rencontre, c'est le coup de foudre. Peu à peu, Verlaine s'éloigne de sa femme pour se rapprocher de Rimbaud. Ensemble, ils quitteront la France pour la Belgique puis l'Angleterre, où ils mèneront une vie de vagabond. Le 10 juillet 1873, il tire sur Rimbaud et est condamné à 2 ans de prison. En prison, il se convertit au catholicisme, et pour évacuer son mal-être, il écrit des poèmes sur l'espoir et la religion. Mathilde obtient le divorce. À sa sortie de prison, il devient professeur en Angleterre, puis en Ardennes, où il se lie à un de ses élèves, Lucien Lettinois, qui mourra 8 ans plus tard. Il subit l'échec du projet d'exploitation d'une ferme qu'il achète avec l'argent de sa mère. L'apogée de sa carrière se déroule à la fin de sa vie, après la mort de sa mère, où il publie plusieurs recueils. Il meurt dans le froid et la misère en 1896 d'une congestion pulmonaire.